Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission d'actualité où on va discuter de nouvelles régionales, nationales et on va même aller à l'international. Et comme à chaque semaine, j'ai un collaborateur de qualité. Cette semaine, nul autre que M. Denis Trottier. Bonjour, M. Trottier. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Denis, je suis content de t'avoir. Parler d'actualité avec toi. Je sais qu'à chaque fois que je te vois, c'est ça qu'on fait de toute façon. Denis, es-tu fan de sport, toi? De natation. De natation. Disons que moi, j'ai été fan du hockey. La dernière partie de hockey que j'ai écoutée, c'était Jacques Plante qui gaulait. Okay. Ça donne une idée. Mon intérêt. Et non, je ne te parlerai pas du changement de coach du Canadien, mais je voudrais souhaiter bonne chance à la ville d'Alma qui reçoivent les Jeux du Québec. Moi, j'étais allé aux Jeux du Québec en 1993. Je coachais la Ringuette pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'époque. Et c'est une super expérience pour les jeunes. Et je trouve ça intéressant qu'on ait ça dans la région. Puis il faudrait qu'on appuie davantage le sport amateur que le sport professionnel, parce qu'il faut être conscient que si on veut créer des bonnes habitudes de vie, c'est beaucoup plus par le sport amateur que par le sport professionnel qu'on va y arriver. Oh oui, puis je trouve que c'est rassembleur. En tout cas, moi j'habite à Saint-Gédéon, proche d'Alma, puis on le sent. Les gens sont contents, ça va bouger, puis c'est le fun de voir des jeunes aussi se dépasser. Comme ouais. Tu dis, les saines habitudes de vie, ça passe par là. Oui, puis il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent dans ces genres de compétitions-là, qui développent une discipline puis une confiance en eux qu'ils n'auraient pas développé autrement. Là. Ça fait que moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être encouragé, comme on dit, 100 000 à l'heure. Bon, bien, on vous souhaite bonne chance, les Jeux du Québec qui commencent en fin de semaine. Denis, je veux te parler du BAP. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le BAP, c'est le Bureau des audiences publiques en environnement. Et là, j'ai des questions, parce que cette semaine, le BAP, deux choses sur le BAP. On a fait un BAP sur l'agrandissement de la Marina d'Alma, et là, il n'y a personne qui se pointe, le projet est accepté. Et d'un autre côté, pour un projet d'un site de Beau-Rouge, de Rio Tinto-Alcan, qu'on va agrandir et développer un nouveau site, le gouvernement nous dit « non, on ne fera pas de BAP là-dessus ». Je suis un peu perdu. Je ne comprends pas pourquoi c'est justifié pour agrandir une marina, mais que ce n'est pas justifié pour un site comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, ça dépend. Si tu veux savoir pourquoi c'est comme ça, c'est pas pareil comme ce que j'en pense. Peut-être qu'on devrait se poser comme question d'abord pourquoi c'est comme ça. Oui. C'est que le BAP, par la loi, a un certain nombre de mandats à réaliser sur un certain nombre, soit d'équipements, de travaux. Et il y a une liste dans laquelle probablement que les lacs de Beau-Rouge ne sont pas là-dedans. Alors, comme il n'est pas sur la liste, on ne peut ça. Pas le faire. C'est ça. Puis finalement, c'est que souvent, ce qui se produit, c'est que quand la loi a été faite, il y a des gens, des lobbyistes, qui ont fait des pressions pour éviter que ce genre de projet-là se ramasse dans la liste du BAP. Ça fait qu'il y a des choses un peu aberrantes comme ça qui peuvent arriver. Parce que clairement, un site de Beau-Rouge, on peut penser que ça peut pas nécessairement très bon pour l'environnement. Disons que par rapport à une marina, j'aurais plus d'interrogations à faire sur le lac de Beau-Rouge, parce que moi-même, je l'ai visité, j'ai déjà amené mes étudiants là, puis je me rappelle une anecdote, j'avais entré, parce que c'était interdit d'aller là, puis à l'époque, je m'arrangeais pour savoir à peu près quand est-ce que la barrière est ouverte, parce que je savais qu'il y avait des travaux, puis j'étais allé en autobus avec mes étudiants, puis là, il y a un policier de l'Alcan qui était venu, puis il m'avait dit, vous n'avez pas le droit d'être ici, M. Trottier. Il m'avait reconnu, puis je lui avais dit, toi, il dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça t'inquiète, ça, ces bouts-là? Bien, ça m'inquiète un peu. Bien, j'ai dit, laisse regarder mes étudiants. Peut-être qu'ils contribueront à trouver une solution dans le futur. Bien, on voit que ça n'a pas marché parce qu'on est encore pris bien, avec ça. Non, mais il faut être conscient aussi qu'il faut mettre ça quelque part. Là, oui. On ne peut pas dire il n'y en aura pas. Bon, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce soit sécuritaire? Je pense que c'est possible que ce soit sécuritaire. Oui. Mais je pense que parce que c'est quelque chose qui questionne les gens, il aurait dû avoir un BAP. Puis qu'à ce moment-là, ça permet d'éviter peut-être des problèmes qui sont pas réels, ou en tout cas, ça permet d'expliquer pourquoi on devrait le faire, puis pourquoi on peut le faire sécuritairement. Puis y a-tu, est-ce que le même si, là, parce que je comprends qu'au gouvernement, on fonctionne avec des règles, c'est là, on peut, c'est pas là, on peut pas. Ouais. Est-ce que le ministre de l'Environnement aurait pu dire « oui, on fait un BAP quand même »? Bien, l'État est toujours roi et maître. L'État peut mettre un amendement, faire une nouvelle loi et pourrait décider de changer ça. C'est l'État qui fait les lois, c'est l'État qui peut les défaire, les améliorer, les bonifier. Pourquoi on ne le fait pas, là, dans un cas comme ça? Bien, probablement parce qu'il y a du lobbying qui se fait de manière importante. C'est triste. Ben, en tout cas, je ne sais pas. Moi, je pense que, surtout quand il y a une mobilisation citoyenne qui est là, il nous dit on a peut-être des solutions, on propose des choses et on semble dire que de l'autre côté, on fait un peu la sourde oreille parce qu'on est protégé. C'est de valeur à dire, mais il y a une loi pour les riches puis il y a une loi pour les pauvres. Hein? Et qui fait la loi? Les riches. Bien, il y a plus de monde qui ont le moyen d'influencer les lois du côté des riches que du côté des pauvres, effectivement. Merci, Denis. Denis, es-tu un lecteur de journaux, toi?
Oui. Sûrement. Est-ce que tu es un lecteur du Progrès dimanche? Non. Non? Mais tu connais le Progrès dimanche? Oui. qu'est-ce que tu penses du changement de dire, après 52 ans, on suit un peu la tendance, il n'y aura plus de journaux du dimanche, qui est un peu une institution dans la région? Oui. Là. Oui. Ben, disons qu'au point de départ, c'est sûr que la clientèle du dimanche était de plus en plus mince. Là. Autrefois, les gens, ils travaillaient le samedi, ça veut dire que la seule journée de congé qu'il y avait, c'était le dimanche. Puis c'est pour ça que le Progrès dimanche, ça faisait bien. Mais là, ce qu'on voit, la tendance à l'heure actuelle, c'est que les gens aiment ça, un journal de fin de semaine. Puis les gens le lisent le samedi, tranquillement, pas vite, avec un café, etc. Et probablement que c'est un meilleur positionnement pour eux autres là, de faire ça le samedi. Ça va peut-être les aider à avoir certains publicitaires de plus. Puis ça va possiblement augmenter leur clientèle. C'est pas facile quand même pour la presse écrite, là, les journaux papier. Non, c'est bien évident que c'est pas terminé à part de ça. Là, on le voit. Puis même les gens qui ont transféré, par exemple, comme la presse sur les tablettes, c'est qu'ils ont un problème, c'est que les jeunes lecteurs d'aujourd'hui, ils ont de moins en moins de tablettes, puis ils ont un téléphone intelligent. Avec le téléphone intelligent, bien, ça ne marche pas nécessairement la fonction iPad, comme on dit. Ouais. Ça fait qu'à ce moment-là, il n'y aura rien de facile dans le monde des médias dans les prochaines années. Qu'est-ce que tu penses des regroupements des médias, en fait, qui ont demandé au gouvernement de les aider à passer au numérique, de financer, en fait, ce passage-là? Ben, parce que ça reste des entreprises privées. Hein? Oui, mais dans le fond, c'est que là, on voit que c'est un marché qui est extrêmement difficile. Puis en plus aussi, c'est que là, il y a de la publicité qui s'est transposée sur le net. Puis sur le net, qui fait de l'argent avec ça? C'est pas les entreprises québécoises, c'est les Google de ce monde, les Amazon de ce monde et compagnie. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est qu'il y a une perte importante. Ça ne crée pas d'emploi chez nous, ça n'amène pas de taxes. Et là, l'assiette des publicitaires, l'assiette des journaux aujourd'hui est beaucoup plus petite qu'avant. Et c'est le signe, quand des grands médias associés avec des plus petits disent au gouvernement « aidez-nous, sinon on va crever », c'est probablement parce que c'est très sérieux. Je pense pas que c'est du fake. Là, ouais. Puis, normalement, les grands médias étaient supposés d'être capables de traverser ça, mais la situation étant ce qu'elle est présentement, avec beaucoup d'incertitudes, c'est normal. Est-ce que l'État devrait appuyer? Je pense que oui, parce que ce qui tombe, ça revient pas, comme on dit. Puis, la diversité des sources d'information, à mon avis, est fondamentale dans une démocratie. Oui. Est-ce que tu as peur un peu pour justement la nouvelle locale, la nouvelle régionale? Parce que, veux pas, on en a de moins en moins. Puis comme tu dis, on s'informe sur Facebook, on s'informe sur le net. Puis des fois, on ne sait même pas qu'est-ce qui est vrai, qui est faux. On prend même pas le temps de lire les articles, on lit les gros titres, puis on pense qu'on possède l'information. Là, il y a une réalité bien terre-à-terre qui est très inquiétante. Bon, Influence Communication, qui mesure le poids média de toutes sortes d'affaires, nous a dit que dans les deux dernières années, le poids de l'information régionale dans les médias nationaux, c'était moins de 1%. Moins de 1%. Et là, ce que ça veut dire, ça, c'est que de plus en plus, on a des nouvelles de Montréal qui sont répandues nationalement. Parce que, tu sais, moi, autrefois, j'étais choqué envers les médias nationaux. Mais je me suis aperçu que, dans le fond, il n'y a pas de médias nationaux. Il n'y a que des médias locaux, médias montréalais, qui sont diffusés nationalement. Mais à ce moment-là, ils nous présentent des affaires de Montréal régulièrement. Et ça, c'est pas terminé parce que ça coûte moins cher. On l'a vu, TVA a même transféré une partie là, de sa production qui se faisait en région vers Montréal. Puis ça n'arrêtera pas là. Lors de la dernière campagne électorale en 2014, il y a un journaliste qui m'a dit « un peu plus, puis les médias nationaux, on n'embarquait pas dans les autobus de parti, puis ils auraient couvert la campagne électorale à partir de Montréal ». Puis ça veut dire que les régions, ça n'existe plus. Et c'est pas pour rien que moi, j'ai décollé un média qui s'appelle Option Région pour être capable de donner une chance, de donner une visibilité puis de prendre en compte les régions. Parce que... Puis de toute façon, les médias nationaux, ça leur donne quoi de couvrir une campagne électorale soit à Saint-Félicien, soit à Rivière-du-Loup? Parce que quand ça arrive la période de questions pour les médias, les questions, c'est toujours une question qui se rapporte à Montréal. Ouais. Ça fait que de toute façon, ils ne veulent pas avoir de nouvelles régionales. Ça ne les intéresse pas. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, puis ils n'ont pas le contrôle là-dessus. Puis pour eux autres, c'est secondaire. Et dans le fond, les médias nationaux, les réalisateurs, les journalistes, ils parlent de leur réalité. Oui. C'est pas pour rien que... moi, je me suis fait dire à un certain moment donné que parler de la forêt à Radio-Canada,
ne pouvais pas en parler parce que ça, ce n'était pas un sujet national, c'est un sujet régional. Par contre, j'ai vu à Radio-Canada, 3 soirs d'affilée, qu'on a parlé des problèmes de stationnement sur le plateau Mont-Royal. Ça, c'est une vraie nouvelle nationale, les problèmes de stationnement sur le plateau Mont-Royal. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'entre autres, il y a 37 % de tous les journalistes du Québec, ça faisait quasiment 40 % qui demeurent sur le plateau Mont-Royal. Fait qu'eux autres, ils parlent d'eux autres, ils parlent de leurs problèmes et ils répandent ça nationalement. Ça n'a aucune allure, mais ça, c'est la réalité. Puis ça serait quoi la solution? Bien, la solution, c'est qu'il y ait d'autres médias qui puissent se faire. Peut-être qu'un jour, il sera possible d'avoir... moi, ça ferait partie de mes rêves, là, si je pouvais. J'essaie de faire avancer ça, presque pas de moyens. Mais si on pouvait avoir une télévision nationale, mais avec une perspective régionaliste qui couvrirait l'information nationale à partir d'une vision de région, je pense qu'il y aurait de la place pour ça. Parce que, entre autres, on dit souvent qu'il y a presque la moitié du monde qui reste à Montréal. Mais s'il y a presque la moitié du monde qui reste à Montréal, ça veut dire qu'il y en a plus que la moitié qui ne reste pas à Montréal, puis qu'eux autres voudraient entendre parler d'autres choses que les problèmes de stationnement sur le plateau Mont-Royal. Oui. Puis, tu sais, quand on couvre des accidents, des carambolages, pas que ce n'est pas des feux, mais on pourrait... Les nids de poules. Ben oui, on pourrait donner plus de place, en fait, à des nouvelles pertinentes pour certaines régions. Puis même, je pense qu'entre les régions, on pourrait se nourrir d'événements qui se passent dans d'autres régions pour... à essayer de régler les problématiques qu'on vit aussi. Ben oui, qui sont semblables, mais sauf que le problème, c'est que le monde des médias, c'est très montréalais. Il ne faut pas attendre de ce monde-là que ça va changer. C'est des gens de région qui vont être capables de prendre ça en main puis de faire quelque chose avec ça. Puis en plus aussi, ce que les médias oublient, là, c'est que la première appartenance d'un citoyen ou d'une citoyenne, c'est d'abord sa localité. On est d'abord citoyen d'une ville ou d'un village avant d'être citoyen canadien ou québécois. Notre réalité, elle se passe dans une ville. C'est là qu'on travaille, c'est là qu'on s'amuse, c'est là qu'on s'implique, c'est là qu'on vit. Et ça, présentement, c'est qu'on est en train d'oublier ça dans les médias nationaux. C'est un peu comme si y avait une île, une ville puis un pays. C'est complètement fou, c'est ridicule, mais c'est la réalité dans laquelle on est. Oui, ouais, ouais, c'est une belle, belle, belle problématique, mais j'avoue que les solutions ne sont pas nécessaires. Bien, peut-être qu'en ATM, Jonquière pourrait jouer un rôle là-dedans. En tout cas, moi, j'aurais souhaité. Bon, moi, j'essaye de faire ce que je peux avec ce que j'ai, avec les faibles moyens que j'ai. Même chose, hein, c'est ça qu'on fait ici, puis c'est pour ça que c'est important. Je vais te parler, bien, en fait, bonne nouvelle, moi, j'aime ça parler des bonnes nouvelles. Délices du Lac-Saint-Jean qui a remporté un prix, le prix du public au Foodies Québec, là, sur le nom, je ne suis pas certain. Mais quand même, prix du public pour un produit qui est d'ici, puis c'est pas le premier prix qui gagne. C'est le fun, c'est une belle fierté, en fait, pour le coin. Oui, oui. Mais tu sais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit que des produits régionaux dans différents domaines. Tu sais, moi, j'en connais, là, que ça peut être dans la bière, ça peut être dans les fromages, etc. Des gens qui, en région, gagnent des prix internationaux, là, pas des prix nationaux, des prix internationaux. Et ça, on oublie que si les régions n'existaient pas, on n'aurait pas ça. C'est pas vrai que veut dire que s'il y avait juste l'île de Montréal qu'on ferait, peut-être, nous on a 300-400 fromages au Québec, là. Ouais. Bien, c'est pas vrai qu'ils seraient fabriqués tout à Montréal. C'est les sortes de bières, la même chose. Les gens oublient que la diversité des régions du Québec nous amène une économie, puis aussi une diversité, puis une saveur, puis... L'innovation, c'est ça, là, tu sais, c'est clair. Ça, c'est assez fondamental. Bien, moi, ce que je peux dire à ces gens-là, c'est bravo, mais il faut être capable de les soutenir aussi. Souvent, le monde, ils font ça avec presque pas de moyens, presque pas de soutien. Ils doivent se battre contre des gros, comme on dit. Bien, je pense qu'il faut encourager ça. Oui, oui, puis on le voit en plus avec tous les traités de libre-échange, c'est encore plus difficile, là. C'est inquiétant. Je parlais avec un fromager de mon coin qui me disait... Moi, avec le traité de libre-échange avec l'Europe, avec l'Union européenne, c'est comme s'il y avait 2000 fromageries grosses comme la mienne qui venaient s'installer autour de chez nous. Là. Non, mais... C'est pas rien. Mais non, c'est pas rien. C'est pas rien. Puis en plus, comme ils font du dumping, ils sont capables de vendre moins cher que ce que ça leur coûte parce que c'est le restant, c'est ce qui leur reste. Et à ce moment-là, ça, ils seraient comme pognés avec ça. Puis en plus aussi, c'est que là, quand on fait beaucoup de fromages, les derniers coûtent pas mal moins cher à produire que les premiers. Fait que c'est sûr qu'ils vont possiblement arriver avec des prix. Mais c'est injuste pour les gens d'ici. Oui, clairement, clairement. Y a une société de biotechnologie qui veut venir s'installer à Saint-Félicien. On parle encore pour, entre autres, utiliser la biomasse de l'usine à Saint-Félicien.
C'est intéressant, en fait, ce qui se passe là, dans, ben, à ce niveau-là, au niveau du développement économique? Oui, parce que, bon, Gilles Potvin, c'est un gars qui aime bien... Ben, d'abord, c'est un ancien commissaire industriel, là, puis là, c'est son nouveau projet, on pourrait dire. Puis moi, je pense qu'il faut croire là-dedans, parce que, oui, il y a des éléments qui font que c'est possible que ça se fasse chez nous. Puis, je pense qu'il faut encourager ça, puis je le souhaite bien que ça puisse fonctionner, parce que, tu sais, sans innovation, c'est sûr qu'on est dépassé, démodé. On ne peut pas penser que l'économie qui existe aujourd'hui va être la même économie dans 25 ans. C'est clair. Dans 25 ans, probablement que le gros de notre économie, ça va être dans des entreprises qui n'existent pas encore. Ouais, ouais, dans ça. Des produits oui. qui n'existent pas encore. Ça fait que là, c'est sûr qu'il faut miser là-dessus. Mais je sais que c'est pas facile d'innover. C'est toujours très compliqué. Puis dans les produits qui sont lancés sur le marché, il y a peut-être 80 % des produits qui meurent au bout d'un an ou deux, là, tu sais, puis qui... Ça avait du bon sens, mais pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas marché. Trop tôt, trop tard, trop cher. Bien, il y a aussi un... En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai observé, c'est qu'on dit souvent on manque d'innovation, on manque de créativité, etc., mais on dirait que tout dans la société, du système scolaire à nos modes de fonctionnement, nous embarque dans un paradigme commun. Puis si tu sors un peu d'un paradigme, on tape ses doigts pour te ramener dedans. Mais ceux qui innovent, c'est ceux qui vont réussir à sortir de ce paradigme-là oui. qui vont changer les choses. Ben oui, c'est fou de dire ça, mais c'est les fous qui amènent les nouveaux produits. Tu sais, c'est que là, les gens qui sont très conformistes, puis la société a une tendance à rendre les gens conformes, ça fait partie d'un de ses rôles, mais tout ce qui existe aujourd'hui, là, ben, c'était tout impossible avant, puis c'était tout fou quand ça a été lancé, puis c'était tout impossible. Tu sais, ça ne veut pas dire que parce que tu as une idée folle qu'elle va se réaliser, mais c'est sûr qu'une nouvelle idée, ça commence toujours par une idée folle qui ne se peut pas. Puis finalement, tu te ramasses avec ça un peu plus tard, que ce soit les iPads, les téléphones intelligents, bon, c'est des rêveurs qui parlaient de ça, là. Bien, aujourd'hui, bien, c'est la réalité. Même ici, là, moi, j'ai assisté à ça. Mon ami Jimmy Doucette qui arrive avec un projet et qui dit à des gens, moi j'aimerais ça couper une maison en deux et faire rire de lui par des gens que je n'aimerais pas. Et, mais au bout du compte, il y a quelqu'un qui a cru à son projet et maintenant, bien, on est rendu à 3 ou 4 prix de gagner avec ce projet-là qui amène, qui démarque la région en fait, avec ben, quelque chose d'innovant. La créativité, c'est l'essence même d'un humain. T'sais. À partir du moment où tu penses que le cerveau, ça sert juste à choisir si tu vas prendre du vin rouge puis du vin blanc ou ça sert juste à choisir si tu vas prendre le menu numéro 1 ou le menu numéro 2, on n'est pas très exigeant. Le cerveau humain, il est fait pour nous épater, il est fait pour amener des nouvelles choses, puis il faut qu'on évolue. On ne peut pas rester dans le même monde éternellement. Il n'y a personne... Si le cerveau, ça n'avait pas servi à créer, on serait encore dans les cavernes. Oui, clairement. On est encore dans les régions, mais veux ton avis là-dessus. Le Parti libéral du Québec qui a tenu un colloque sur le développement régional en disant que c'était une priorité. Quelques jours avant, le premier ministre avait refusé d'assister à une période de questions où on voulait parler du développement régional de la région ici. La semaine d'après, il fait un colloque de développement régional en Outaouais. Qu'est-ce que tu en penses? Là, on a comme deux messages de dire, bon, mais là, le développement régional, c'est important ou c'est pas important? Là? Bien, il y a beaucoup de gens qui se demandent, tu sais, quelle importance a les régions pour notre premier ministre? Parce qu'on le voit, les gens le disent souvent, là. Disons, on a un premier ministre, mais on n'a pas de député. Là, peut-être que les gens ils vont dire, je suis en conflit d'intérêts, mais c'est ce que j'entends, moi, sur la rue. Puis aussi, c'est qu'il y a des rendez-vous importants que, normalement, tu ne devrais pas manquer comme député et premier ministre. Puis là, la semaine dernière, c'était ce qu'on appelle une interpellation. Oui. Ça n'arrive pas souvent. Tu sais, je comprends que si, plusieurs fois par année, les députés voulaient interpeller le premier ministre sur sa région, il faudrait que ça n'a pas d'allure. Mais une fois par 2-3 ans, il me semble que veut dire que c'était plus que raisonnable. Puis, à mon avis, il aurait dû être présent. Oui. Puis là, le fait qu'après ça, qu'il va faire un colloque là-dessus, c'est-tu un peu pour nous dire « Non, attendez, moi, je trouve ça important, le développement régional, mais de toutes les régions ou… » Oui, mais tu sais, est-ce qu'il a sorti des grandes idées de ça? Moi, personnellement, je pense que quelqu'un qui croit dans les régions devrait annoncer que dorénavant, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources naturelles va se faire en région. Moi, je dirais, j'ai envie de dire au gouvernement, faites rien. Laissez-nous décider.
Puis à ce moment-là, on va se prendre en main, on va être responsable. Moi, c'est ça le message que j'aurais envie de dire. Vu pas qu'ils nous donnent plein d'argent et tout le kit, là. Laissez-nous décider, là. On va prendre ça en charge, nous autres, la forêt, on va prendre ça en charge, les mines, puis on va être capable de faire quelque chose avec ça. Ça serait génial. Ben, j'y travaille, en tout cas. Moi, j'y crois. Oui, je crois aussi. Je trouve que c'est une belle idée. Il y a les regroupements des CPE au Québec qui a demandé au ministre de l'Éducation de peut-être d'amener les garderies ou les CPE de manière gratuite pour l'ensemble des enfants au Québec. Ça a été rejeté du revers de la main. Mais t'en penses quoi de cette idée-là de dire donner de la gratuité, en fait, pour au niveau des CPE? Bien, d'abord, plus on est capable de donner une formation à un jeune de bonne heure, plus il y a de chances de pouvoir le sauver plus tard. Tu sais. Il y a des enfants qui viennent au monde dans des familles qui sont très stimulées pour toutes sortes de raisons. Les parents ont le temps, ils ont des compétences, des connaissances. Mais il y en a d'autres qui viennent au monde dans des situations pas mal plus difficiles, qui ne sont pas très stimulés. Puis ces gens-là, ils vont traîner de la patte une bonne partie de leur vie. Si tu es capable de les amener, par le biais d'un CPE, par le biais d'une maternelle 4 ans, à être capable de voir qu'il y a d'autres choses qui existent, il y a d'autres réalités, bien, c'est qu'ils vont être capables de combler une partie de l'écart qui existe entre les autres enfants. Et ça, tu sais, mettre de l'argent sur nos enfants, sur l'éducation... C'est l'avenir. C'est le meilleur des investissements qu'on peut faire. C'est les penseurs de demain, Puis dans un monde qui va évoluer de plus en plus rapidement, là, si le monde ne sont pas éduqués, là, ça ne marchera pas. Ils vont être comme décalés par rapport à tout le reste. Puis j'ai reçu une formation la semaine dernière là, de Jean-Marc Lévy qui racontait que, qu'entre autres, avant ça, une génération, là, quand on parlait d'une génération, on parlait de 20-25 ans. Là, on parle de 4-5 ans, puis une nouvelle génération. Okay. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est que là, ça va de plus en plus rapidement. Puis pourquoi ça fait ça? Bien, entre autres, parce que la technologie évoluant beaucoup plus rapidement qu'avant. Prenons l'exemple, là, anciennement, quand tu avais une charrue, là, tu achetais une charrue, puis tu la léguais à ton petit-fils. Là. Ouais. Puis à ce moment-là, la charrue avait duré 100 ans. Là, y a-tu quelqu'un qui va léguer son téléphone cellulaire à son petit-fils, là? Tu sais, c'est clair. Bon. Ouais. Tu sais, là, il va dire, c'est quoi ça? Ouais. Là, on est rendu ailleurs. Ah ouais, c'est ça. Bon, ça fait que là, même si on ne veut pas, la société s'accélère. Il y a peut-être des avantages et aussi des inconvénients, mais cela étant dit, tu sais, on ne peut pas refuser ça. Puis ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de s'adapter de plus en plus rapidement puis d'être capable de faire face. Puis pour ça, bien, l'éducation, c'est un des fondements. Ça ne règle pas tout. Mais je pense que c'est un des fondements pour être capable de vivre dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Oui, puis ils sont très, très, très compétentes, les personnes qui travaillent au CPE. En tout cas, moi, formés pour ça. Oui. Ils sont formés pour ça. C'est parce qu'avant ça, les garderies, au début, c'était des surveillants d'enfants. Oui. T'sais, on surveillait les enfants, puis on les faisait écouter passe-partout. Puis, bon, mais là, c'est rendu une profession, puis c'est fort heureux, puis il faut que ce soit comme ça. Puis si on veut donner des bonnes conditions aux gens, bien, il faut qu'ils donnent un bon résultat aussi. Ils ont des meilleures formations, ils sont capables de mieux former les enfants. Puis c'est comme ça que notre société va continuer d'évoluer. Penses-tu qu'on devrait rendre ça gratuit? Bien, c'est toujours une question. On a-tu les moyens? Bien, c'est ça. C'est bon. Si tu mets l'argent là-dedans, dans quoi est-ce qu'on l'apprend? Bon, ouais. Puis là, tu pourrais dire, bien, les riches payent pas assez d'impôts. Oui, ça fait partie des débats qu'on doit avoir. Mais moi, je rêve d'une société dans laquelle on va pouvoir justement faire des choix puis d'expliquer aux gens, là, regardez, pour les 5 prochaines années, là, si on fait tel investissement dans tel domaine, voici à quel endroit on va prendre de l'argent. On va en mettre moins là-dedans puis en mettre plus là-dedans ça. Tu sais, c'est qu'à un certain moment donné, tu peux pas toujours rajouter des services et des services. Il faut faire des choix. Bien, il faut faire des choix, puis il faut faire des choix qui sont les plus pertinents possibles. Puis c'est sûr que tout le monde va dire que son domaine, c'est le plus prioritaire, mais il faut être capable de décider collectivement. Puis c'est pour ça qu'une chose qui est intéressante, qui s'en vient, là, qui va pouvoir se faire, c'est que avant ça, c'était peut-être compliqué de consulter les gens sur des grands défis ou sur des projets. Aujourd'hui, là, avec les téléphones, avec tous les logiciels, tu vas être capable de consulter les gens sur n'importe quoi, puis en l'espace de 5 minutes, tu peux avoir le résultat. Ça, pour moi, c'est une nouvelle façon de gérer la démocratie, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne voudront pas aller à les assemblées du conseil là, pour aller poser leurs questions. Non, eux autres, ils veulent répondre, ils veulent pitonner, ils veulent envoyer. Bien, ça, il va falloir être capable de gérer ça. Puis, d'après moi, ça peut améliorer notre démocratie. Un peu comme les systèmes de référendum en Suisse, où oui, à chaque fois qu'il y a oui, un enjeu, les gens du canton peuvent tous aller voter puis décider ensemble. Mais c'est parce que là, tu peux avoir des consultations informelles aussi. Tu n'es pas obligé de faire une mécanique très lourde. Tu peux,
mesurer la température de l'eau avec ça. Tu demandes aux gens, puis là, tu sais, tu peux avoir leur profil. Tu dis, le monde de tel âge à tel âge, eux autres, bien, ils sont pour, le monde sont contre. Là, tu peux te réajuster. Ça peut aider à faire avancer des projets, puis à éviter des mauvais projets, puis à bonifier des projets qui en auraient besoin. Oui, puis c'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a certains gouvernements qui gouvernent un peu par sondage. On voit ce qui est populaire. Ben, ça a toujours été un peu comme ça. C'est pas normal. C'est un peu comme ça. Mais écoute aussi ce que les gens veulent. Sauf que la différence, c'est qu'avant, c'était secret. Le gouvernement gardait ses sondages secrètement. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut être transparent puis dire, on a fait une consultation telle date, à telle heure, sur tel sujet, voici le résultat. Je pense qu'on gère le bien public. Ça légitimise les décisions que tu prends. Ah oui, puis c'est parce qu'aussi, la gestion du bien public, ça doit avoir plusieurs qualités, dont l'efficacité, parce que le monde, ils veulent en avoir pour leur argent, mais aussi, il faut que ce soit efficace. Il ne faut pas que ce soit secret. Les contrats secrets avec des compagnies comme Rio Tinto, là, on met de l'argent de l'État, mais c'est un secret. Oui, mais c'est pas important, on n'a pas le droit de savoir. Moi, si nos deux, on décide de se construire un camp dans le bois, puis on ne veut pas dire quel pourcentage d'argent on a mis, entre nos deux, c'est correct. Mais l'État, il a un devoir de transparence. Oui, il gère notre argent. Hein. Oui. Ouais. C'est intéressant. Est-ce que tu as faim? Qu'est-ce que tu veux avoir? Une banane. Tu veux une banane? Oui. Un petit morceau de banane. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup? Oui. Beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Une banane. Encore une banane? Oui. Nous pourrions tous, un jour ou l'autre, être touchés par un problème de santé mentale. Au Canada, une personne sur cinq sera personnellement touchée par la maladie mentale au cours de sa vie. Prenez en main votre santé mentale en adoptant de saines habitudes de vie. Décrochez. Pratiquez des activités valorisantes. Mangez bien, bougez. Détendez-vous, faites-vous plaisir. Voyez vos amis, amusez-vous. Pour votre santé mentale, faites-vous les bons choix. En parlant de choix du gouvernement, le gouvernement libéral s'est porté à la défense des sièges sociaux québécois. Pour essayer de les garder chez nous. On propose, entre autres, des baisses d'impôts pour les dirigeants d'entreprise, pour que ce soit équitable, en fait, au Canada. Qu'est-ce que tu en penses dans tout ce grand débat-là là, de nos fleurons québécois? C'est parce qu'il y a plusieurs affaires dans ça. Bon, d'abord, la question là, d'avoir une équivalence pour les chefs d'entreprise qui veulent vendre à leurs enfants, ça, je pense que ça peut être intéressant parce qu'à l'heure actuelle, c'est que là, si tu es propriétaire d'une entreprise, tu veux vendre ça à tes enfants ou à tes proches, bien, tu n'as pas la même déduction fiscale que si tu vends à un étranger. Ça veut dire que c'est plus payant de vendre à un étranger que de vendre à tes enfants. Fait que là, il y a un questionnement. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être admissible. Mais là, quand tu dis, mettons, que tu veux baisser les impôts, ça, c'est pour les petites, moyennes entreprises, mais quand on arrive dans des grandes entreprises... c'est plus délicat un peu. Puis c'est parce que le problème qu'on a, c'est qu'avant ça, mettons qu'on se reculerait dans les années 60-70, c'est que les grandes entreprises, les entreprises payaient à peu près la moitié de l'impôt, puis les travailleurs, la moitié de l'impôt. Là, c'est rendu que les particuliers payent 80 % de l'impôt, puis les entreprises 20 % de l'impôt. Fait que là, si tu baisses l'impôt des entreprises, ça veut dire que tu es obligé de monter l'impôt des travailleurs. Mais là, les travailleurs, ils en ont de moins en moins parce qu'on modernise. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Bon, et ça, il va falloir à un moment donné qu'on ait des nouvelles solutions. Entre autres, comme là, même Bill Gates proposait ça. Il y a un candidat aussi en France présentement pour le Parti socialiste Hamon qui préconise qu'on taxe les robots au même salaire, au même degré d'impôt qu'un travailleur aurait payé. Parce que là, on diminue le nombre d'emplois, puis
Le robot, il ne paye pas d'impôts, lui, il n'y a pas de salaire. Ça fait que là, on dit, si on veut éviter de manquer d'argent, puis si on veut être capable d'avoir une source d'argent qui va permettre de reformer les travailleurs qui ont perdu le job pour les reformer dans d'autres choses, il faut qu'on taxe les robots. Et même Bill Gates est d'accord avec ça. Je pense que ça, c'est intéressant. Parce que puis ça veut dire que... puis protéger les sièges sociaux, là, peut-être la meilleure façon, c'est que l'État soit actionnaire. Oui. Tu sais, c'est que là, présentement, là, pourquoi est-ce que quand c'est Bombardier, on n'hésite pas à mettre 1 milliard? Quand c'est Rio Tinto, oh, on donne des subventions, mais on ne veut pas prendre d'action. Bien, il y a une réflexion à faire par rapport à ça. Moi, je suis persuadé qu'il y a un rôle important à faire là-dedans, que ce soit la Caisse de dépôt, que ce soit les grands fonds de solidarité ou fonds d'action. Il faudrait que, qu'on ait une politique qui incite nos fonds d'investissement d'investir dans le patrimoine québécois. C'est une façon de garder nos sièges sociaux, puis c'est une façon d'avoir une action sur les décisions. Quand, mettons, tu as 25 % des parts, bien, tu peux lever la main et dire « moi, je ne suis pas d'accord » ou « on fait ça ». Quand tu as 0 % des parts, puis tu fais juste demander « hey, monsieur la compagnie, vous pourriez-tu faire telle affaire? » Ben non, nous autres, c'est pas payant, je veux pas ça. Puis, il faut qu'on ait cette réflexion-là. T'sais, je pense pas que la baisse d'impôts va être suffisante pour garder nos sièges sociaux. Il va falloir examiner d'autres choses que ça. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai vu, entre autres, je me suis intéressé au cas du Botswana, où à l'époque de la décolonisation, ils ont dit aux compagnies qui voulaient extraire le diamant, on embarque, mais nous, on embarque aussi. Et ça a permis au pays de se payer système de santé, système d'éducation, puis c'est un des pays africains qui s'en sort le mieux. Puis la Norvège, en Norvège, le pétrole, 51 %, c'est la Norvège qui est propriétaire de 51 % des actions de la compagnie de pétrole, puis on le contrôle là-dessus, puis on a un fonds des générations, etc. Bon, bien, nous autres, je pense qu'il y a des exemples, là. Je pense qu'on est rendu là, là. Il faut qu'on dise au gouvernement que soit qu'ils embarquent là-dedans ou soit qu'on les débarque. Et j'ai une bonne question. Quand tu dis qu'il y a des exemples, là, souvent on voit ça. Tu sais, on voit ailleurs, ils font ça, ils font ça. Toi qui étais à l'intérieur d'un gouvernement, pourquoi des fois on ne s'inspire pas de ce qui se fait ailleurs puis on continue à fonctionner dans les mêmes procédés? Bien là, d'abord, c'est pas toujours simple. Là. Tu ne peux pas dire en fin de semaine, là, on nationalise telle compagnie, comme on pourrait dire on nationalise les barrages ici, il y a toutes sortes d'études à faire, etc. Ça veut dire que ça prend un gouvernement qui est là suffisamment longtemps pour être capable de bâtir ça. Puis après ça aussi, c'est que là, il faut être conscient qu'il va y avoir du lobbying qui va se faire. Les compagnies ne seront pas contentes de ça. Là. Quand René Lévesque a nationalisé, a fait la nationalisation de l'électricité, là, c'est pas tout le monde qui était content de ça. Puis ça a pris de la pédagogie, il a fallu expliquer ça aux citoyens. Tu peux pas dire aux citoyens, tu sais, mettons, ils ont vraiment entendu parler de rien. Tout d'un coup, tu dis, bon, mais en fin de semaine, on nationalise les barrages. Hein, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça va coûter? Ben oui, tu sais, c'est que là, c'est pour ça qu'entre autres, moi, je recommandais à notre premier ministre, là, comme suggestion de la semaine passée, de dire, ça nous prend un groupe d'experts en lesquels on va avoir confiance, qui pourraient nous dire les avantages et les inconvénients de prendre des actions dans une compagnie comme Rio Tinto, ou même de nationaliser les barrages, parce que peut-être que ça peut faire partie des solutions. Puis là, suite à ça, là, tu peux faire une pédagogie auprès des citoyens puis dire aux citoyens, vous êtes-tu d'accord qu'on fasse ça? Parce que là, ça, c'est l'argent des citoyens. Là, tu peux pas dire, c'est pas l'argent de personne, c'est l'argent des citoyens. Si les citoyens, après avoir reçu des informations, ils disent, non, nous autres, on n'a pas confiance là-dedans, on veut pas, bien, il faut respecter ça, là. Oui, c'est ça. Puis ça, tout ce processus-là, il demande plusieurs mois puis des fois des années. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est le côté pédagogique. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre des décisions, puis là, il va falloir décider, on est-tu d'accord ou pas, mais on ne connaît pas le dossier, mais prendre le temps de l'expliquer puis de faire la pédagogie, je pense que c'est René Lévesque, quand il avait son émission Point de mire, là, il expliquait, puis t'écoute, puis après ça, tu sais, puis il y a des affaires que René Lévesque a expliquées dans le temps qu'il était à Point de mire qui sont réalisées par la suite, mais il y avait eu une pédagogie par rapport à tous ces dossiers-là dans le passé. Puis je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Là, tu sais, puis, il y a des gens qui disent les élus sont élus pour décider. Oui, ils sont élus pour décider, là, mais c'est le monde qui paye. Puis je pense que tant que le monde sont d'accord, ça va. Mais si le monde ne sont pas d'accord, bien là, il faut respecter ça. C'est ça une démocratie. Oui, clairement. Est-ce que tu penses qu'on devrait améliorer le processus démocratique dans le sens où, des fois, il y a des citoyens qui ont l'impression qu'ils vont voter aux 4 ans? Puis après ça, ben, ils ont délégué leur pouvoir, puis justement, c'est fini. Y aurait-il une manière d'amener les gens ou les gouvernements à être à l'écoute de manière plus
régulière, en fait, de ce que les citoyens peuvent penser? C'est comme n'importe quel sujet, il n'y a jamais de réponse simple à une question complexe. Bon, là, c'est que là, par exemple, bon, la base de tout ça, là, bon, là, on dit il faudrait qu'on fasse participer les citoyens aux décisions. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais pour ça, il faut que les citoyens soient informés. Puis pour qu'ils soient informés, il faut qu'ils mettent du temps là-dedans. Oui. Je vais te raconter une anecdote. À un moment donné, je suis dans une campagne électorale, puis il y a une madame, puis je passe, je fais le tour, puis j'explique mon programme. Puis bon, il y a une madame qui me dit, elle dit, on n'est pas informé, elle dit, on ne sait pas ce qui se passe. Donc là, je lui demande, est-ce que vous lisez les journaux le matin? Elle dit non. Elle dit, est-ce que vous écoutez les nouvelles le matin à la radio? Non. Elle dit, est-ce que vous écoutez le téléjournal le soir aux nouvelles? Elle dit non. Bien là, elle dit, est-ce que vous pensez qu'il y a une pelule pour ça, l'information? Oui. Non, mais tu sais, c'est que là, moi, je pense que les citoyens doivent participer, mais ça, ça demande un minimum d'investissement. Oui. Sinon, tu votes pour n'importe qui, n'importe comment. Puis là, c'est ça, surtout qu'aujourd'hui, c'est dur de s'informer aussi. Là. C'est dur. C'est dur dans le sens qu'il y a beaucoup de médias, puis on parle de l'époque de la post-vérité, fait qu'il faut faire le ménage là-dedans. Ben oui, mais c'est justement, ça veut dire ça, qu'il faut être capable d'être suffisamment informé pour être capable de se faire un jugement ou de se fier à quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on aime bien. Là. Mais tu sais, il n'y a pas de solution miraculeuse par rapport à ça. Si tu dis, mettons, que tu fais des référendums régulièrement, mais avec des gens qui ne connaissent rien, il va y avoir des décisions d'imbéciles qui vont être prises parce que les gens, ils ne sauront même pas sur quoi qu'ils votent. Fait que ça, c'est la base de tout. Est-ce qu'une fois que les citoyens sont informés, est-ce qu'on doit les consulter? Bien sûr, puis il y a toutes sortes de mécanismes qui peuvent se mettre en place, les initiatives référendaires, etc. Mais il y a au-delà de ça, c'est que là, ça, il faut se questionner, est-ce qu'on veut que ce soit encore dirigé par Ottawa, par Québec, ou si ça devrait être dirigé en région? Il faut faire ce débat-là aussi, oui, là, parce que la démocratie, c'est pas uniquement de dire on veut participer aux décisions qui sont toutes décidées à Ottawa ou à Québec. Moi, j'aime bien le principe de la subsidiarité, qui a été inventé depuis pas mal longtemps. C'est un grand mot qui veut dire, en gros, là, c'est que c'est le niveau de gouvernement le plus apte et le plus efficace qui devrait s'occuper de ça. Puis pour ça, il y a des pays qui ont fait une espèce de petite formule, là, c'est que là, mettons que, veut dire que le gouvernement gère le transport en commun, supposons, puis là, il y a les villes qui disent « Nous autres, on serait capable de faire ça », ils lèvent la main, en tout cas, ils font une demande, puis là, ils disent « Nous autres, on serait prêts à prendre ça au prix que le gouvernement a fait, puis même peut-être à moins cher », puis là, il y a une espèce de comité qui peut dire « Oui, ça, on fait confiance, puis on vous donne ça ». Ça veut dire que, tu sais, il y aurait des mécanismes qui pourraient se faire comme ça, puis peut-être que certaines régions diraient « Nous autres, on n'est pas prêts à faire ça, on n'y touchera pas », mais d'autres qui pourraient être prêts à faire ça. Ça ramènerait le pouvoir plus près des gens, en fait. L'autre jour, je suis allé à la commission parlementaire sur le projet de loi 122 sur la gouvernance de proximité. Puis là, il y avait un débat sur les référendums, est-ce qu'on devrait avoir des référendums ou pas, puis là, bon... Puis entre autres, le président de la FQM, M. Lehoux, il dit, les référendums, là, il dit, je suis en référendum permanent. Parce que lui, il est dans un petit village, puis il rencontre le monde à l'épicerie, il rencontre le monde au corps, puis le kit, le monde, ils disent tout au fur et à mesure s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec ça. Fait que c'est sûr que c'est pas la même dynamique quand tu es dans un petit village que quand tu es dans une ville comme Montréal, qui a 2 millions, 3 millions d'habitants. Là, ça fait que là, mais je pense qu'on a une réflexion en profondeur à faire. Il faut expérimenter des affaires, mais rapprocher le pouvoir des citoyens, ça, c'est sûr que c'est une bonne affaire. Décentraliser le plus possible. Oui. Tu parlais de transport, on a parlé de la Norvège. Je te relance sur quelque chose d'intéressant. Je lisais des données qui disaient que avec les accords de Paris, notre premier ministre avait donné l'objectif qu'au Québec, on devrait avoir 100 000 véhicules électriques pour 2020. On est à ce moment à environ 13 500, quand la Norvège, qui a à peu près la même population que le Québec, est déjà au-dessus de 100 000. Est-ce qu'on va rater l'objectif? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inciter les gens à, justement, à aller davantage vers... D'abord, c'est sûr que les incitatifs, ça compte. Là. Quand tu dis que tu mets un bonus là, qui fait que le coût de la voiture est diminué, c'est en Norvège, c'est ça qu'ils ont fait, ça a beaucoup aidé. Mais il faut être conscient qu'au Québec, entre autres, la semaine dernière, justement, dans mon émission, je disais qu'une de nos caractéristiques, c'est qu'on est des grands parleurs, petits faiseurs. T'sais, on est bien pour ça, l'environnement, mais quand ça arrive le temps de faire un choix d'une auto, on choisit toujours une auto ordinaire, la moins chère, ou en tout cas, là, bon. Puis même des gens qui auraient le moyen... Même des gens qui auraient le moyen d'acheter une auto plus écologique, là. Moi, c'est la troisième que j'ai. Là. J'ai toujours été reconnu comme étant un écolo. Je me sens un devoir d'acheter des affaires écologiques. J'essaye de donner l'exemple. Mais je peux vous dire qu'il y a un paquet de députés qui parlent beaucoup d'environnement,
mais qui se conduisent encore avec le gros véhicule. Il faut que ce soit quelque chose qui est vécu dans dedans, là. Sinon, ben, c'est un petit peu de la parure. Est-ce qu'on va atteindre l'objectif? Probablement pas, avec présentement les résultats qu'on a, là. Puis pourtant... Il y a une belle évolution dans l'auto électrique. Tout est en troisième, C'est pas juste ça. C'est que là il y a toutes sortes d'affaires électriques. Là, il s'en vient, là, j'ai vu, là, il y a des bateaux électriques. Même que si c'est possible, à Péribonka cet été, ça se peut que je convainque des gens de venir faire une démonstration de bateaux électriques. Il y a même des chalutiers électriques qui sont en train d'être fabriqués en Gaspésie. Il y a quelqu'un à Chicoutimi, là, je vais peut-être en parler dans une de mes émissions, qui a fait une motoneige électrique. Il y a toutes sortes de produits qui s'en viennent. Puis nous autres, au Québec, là, c'est nous autres qui est le courant le moins cher au monde entier, ou à peu près. On a à pas savoir quoi en faire. On devrait miser là-dessus au fond, Léon, comme on dit. On le fait en partie, mais pas suffisamment. Parce que ça, nous autres, c'est quelque chose là, qui nous appartient. C'est l'Hydro-Québec, c'est collectif. Puis on a du courant partout. Moi, je pense que ça devrait être une de nos grandes priorités économiques dans les prochaines années. Oui, ouais, j'y songe, j'ai commencé à regarder ça. on a vu avec le décret de M. Donald Trump aux États-Unis qu'il y a beaucoup de réfugiés qui ont décidé de traverser au Canada. Et là, la situation est rendue à la Chambre des communes à Ottawa, et puis là, on en parle. Il y a des députés qui disent qu'il faut fermer les frontières. Il y en a d'autres qui disent qu'il faudrait mettre des actions pour les accueillir mieux. Qu'est-ce qu'on fait avec la situation des réfugiés qui, à quelque part, on reste une terre d'accueil, je pense, dans le monde? Comment on devrait réagir à ça que le gouvernement a ben, d'abord, là, c'est que il y a des gens là, qui sont aux États-Unis, puis que là, comme ils ne sont pas reconnus citoyens, ils ont peur de se faire biler de l'autre côté. Puis de l'autre côté, là, il y a du monde peut-être là-dedans qui vont peut-être être zigouillés parce que là, ils n'étaient pas des amis du régime, etc. Ou ils s'en retournent là-bas, puis leur maison est détruite, puis le kit, ils en ont tout perdu, là. Bon. Là, ces gens-là, ils ont le choix de rester aux États-Unis, risquer de se faire déporter parce que Trump, il a l'air assez sérieux là-dedans, puis d'être dans la misère encore plus, ou de traverser la frontière. Ou de traverser la frontière, même illégalement, moi, je les comprends très bien de traverser. Moi, je pense qu'on a un devoir d'accueil, mais je pense qu'on a un devoir de pression sur les États-Unis pour dire, « Hey, c'est votre monde, ils sont rendus chez vous, aidez-les. » Ouais. Tu sais, c'est qu'on ne peut pas, nous autres, au Canada, dire, « On va être la terre d'accueil du monde entier. » Tu sais, il faut être conscient qu'on a des capacités de support limitées. Je pense qu'à court terme, on ne peut pas les rebiller de l'autre côté, mais il faut trouver une solution qui va être plus solide à long terme. On accueille temporairement, périodiquement, mais on fait pression sur les États-Unis pour être capable de leur dire bien, coupez-vous du monde qui sont chez vous. Puis en arrière de tout ça, c'est que là, quand est-ce qu'on va arrêter les guerres qui fait que. C'est parce que là, le monde qui s'en va de chez eux. Il aimerait bien mieux rester chez eux. C'est pas parce que ça va bien, mais le monde que leurs maisons ont été détruites, que les écoles ont été détruites, que les hôpitaux ont été détruits. La moitié de la famille est morte, puis que tu le quittes, là, tu sais. C'est du monde, là, qui n'ont pas le choix, qui s'en vont pour sauver le pot. C'est nous autres, on n'a pas conscience de ça. C'est une réalité qui est loin de nous autres, mais ça, c'est la vraie vie, là. Mm-hmm. Et là, tu sais, ça veut dire que. Il faut qu'on s'arrange pour être capable, à un moment donné, de dire les guerres, ça va faire, puis que le dictateur là, qui fait une guerre contre un autre, bien, toi, on t'amène au tribunal international, puis on va te faire subir ce que tu fais subir aux autres. Là. On va t'arrêter. Là. Bon, mais c'est sûr que c'est probablement pas demain que ça va se faire, mais il faut qu'on ait ça en tête. Si on n'est pas capable de diminuer les conflits dans le monde, les réfugiés, les immigrants, ils vont en avoir de plus en plus, puis c'est normal, puis on peut pas dire à ce monde-là... Restez chez vous. Oui, puis en plus, on va ajouter à ça tous les réfugiés climatiques là, qui s'en viennent. Ouais. Là. Ben oui, on n'a pas fini. Puis l'autre affaire, il faut se rappeler que nous autres, là, les Québécois, là, ben, on vient tous d'ailleurs. Là, oui. C'est que là, quand on regarde notre arbre généalogique, là, on remonte en France, on remonte en Irlande, on remonte un peu partout. Là, ouais. Puis après ça, la diversité, c'est meilleur que... Moi, j'aime mieux... Quand il y a une diversité dans les individus, dans les façons de penser, qu'une unicité ou une uniformité.
Ben, plus on est proche de la vérité, plus on devient dangereux. je pense que c'est Nietzsche qui disait que le problème, c'est pas... Comment est-ce qu'il disait ça? C'était d'avoir une seule vérité. Ouais. C'est que là, quand tu as une seule vérité, là, tu es dangereux. Oui. Mais en même temps, la vie est simple en Corée du Nord. Hein? Oui, mais des fois, elle n'est pas longue. C'est clair. Bien, en parlant de d'immigration, etc., il y a une motion en ce moment qui est débattue à Ottawa sur l'islamophobie. Des fois, je me dis, est-ce qu'on en est rendu là à débattre? Je sais pas, moi, je suis peut-être... J'ai voyagé beaucoup, puis j'ai l'impression qu'on est tous humains avant toute chose. Là. Mais là, on est rendu à vouloir dire, est-ce qu'on est islamophobe? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On s'en va où avec tout ça? Est-ce qu'il faut vraiment... C'est que, d'abord, je dirais qu'avec les lois qui existent présentement, on serait probablement capable de gérer la plupart des situations, parce qu'entre autres, on a des lois contre les propos haineux, là, puis ça vise pas juste la religion musulmane, n'importe quoi, c'est sur n'importe quoi. Ouais. Mais il faut être conscient que quand on est dans un gouvernement... Puis là, admettons là, qu'il y a plein de citoyens qui t'écrivent puis que, tu sais, qui ont un problème réel. T'sais. Présentement, il y a beaucoup de musulmans qui se font engueuler, qui se font, je dirais, dénigrer, etc., ouais. Inutilement. Parce que la plupart des musulmans, c'est du monde qui sont bien fins. Puis il y en a la plupart, ils sont pas plus catholiques, ils sont pas plus musulmans que nous autres, on est catholiques. Là, mm-hmm. Ça fait que là, ils n'ont pas un problème, eux autres, de radicalisation. Mais pour toutes sortes de raisons, il y a des Québécois, des Canadiens, puis les Canadiens ne sont pas mieux que les Québécois, qui ne connaissent pas les autres, puis qui ont peur parce qu'il y a eu toutes sortes d'affaires, puis on identifie un problème avec un groupe en particulier, mais ça, c'est pas nouveau, hein. Ça, Hitler, c'était les Juifs le problème, ouais. Puis autrefois, ça a déjà été les Noirs, ça a déjà été les Chinois, puis bon. Là, ça, c'est... Avoir quelqu'un à haïr, c'est le propre d'une société. C'est malheureux, c'est la démonstration qu'on est insécure, mais ça existe. Bon, là, puis je reviens à ce que je disais, compte tenu du fait qu'il y a des ministres, il y a des députés qui reçoivent des tonnes de plaintes de gens, comme de quoi qui ont reçu des courriels haineux, puis le kit, ils disent « faut faire quelque chose ». Faut faire quelque chose. Fait que là, c'est quoi que tu fais? Ben là, tu fais une loi. Veux dire là, bon. Puis là, ben, quand la politique se met là-dedans, ben là, t'es pas pour dire que le gouvernement a parfaitement raison. Tu sais, fait que là, tu fais une loi qui dit que ben il faut pas faire ça juste contre l'islamophobie. Il faut faire ça contre tous les problèmes haineux. Mais là, tu reviens à la question qu'on a déjà une loi là-dessus. Ouais. Mais il y a une obligation quand t'es un gouvernement d'agir, même si ça donne rien entre guillemets. Puis en même temps, quand la petite politique se met là-dedans, ben là, ça complique les affaires. L'opposition est systématiquement contre. Moi, j'aimerais ça, justement, quand on parlait de démocratie, que peut-être qu'on change fondamentalement les systèmes. Moi, j'aimerais bien un gouvernement dans lequel, admettons que le parti X a 40 % des députés, il doit avoir 40 % des ministres. Le parti B, il y a 20 % des ministres. Puis que ce monde-là soit obligé de travailler ensemble pendant 4 ans. Puis qu'on puisse voir lesquels ont réussi le mieux. Là, présentement, tu as du monde, mettons, qui sont élus, qui sont majoritaires, qui sont bons pour dire oui pendant 4 ans. Puis les autres, ils disent non pendant 4 ans. Puis quand ça change de bord, là, ce que ceux qui étaient au pouvoir défendaient, ils sont rendus compte ça. Ouais. Et inversement, ça, c'est des éléments qui font que le monde n'y croit plus dans la politique. Oui. Il y a des changements en profondeur à faire dans le monde politique. Puis il y a une partie... qu'il faut qu'ils viennent des partis politiques, des institutions politiques. Oui, je suis d'accord. Moi, je rêve du jour où, je ne sais pas, moi, il va y avoir une proposition d'un député de l'opposition que le gouvernement va faire. C'est une excellente idée, on va le faire. C'est jamais comme ça que ça se passe. Oui, mais c'est parce que ça ne peut pas se faire comme ça dans le système actuel. Ouais. Parce que dans le système actuel, admettons que, d'abord, tu sais, il y a juste des ministres de juste un parti. Ouais. Bon, ça fait que là, puis si, mettons, les partis d'opposition disent que tel ministre il a fait une bonne affaire, etc., bien là, tu vas te ramasser quand tu vas arriver aux élections. Bien, ça vaut, le message que tu vas donner aux citoyens, c'est voter pour eux autres, ils sont bons, parce que moi, pendant 4 ans, je les ai appuyés. Mmh. Ça fait que là, tu es obligé de dire qu'ils sont pas bons, trouver des raisons futiles, des fois, pour dire qu'ils sont pas bons, pour être capable de gagner les élections plus tard. Mais si les gens étaient tous assis autour de la table puis qu'ils étaient obligés de participer au gouvernement, là, on verrait dans les actions comment ça se passe. Puis au lieu de poser des questions... Moi, entre autres, la période de questions, là, je te changerais ça parce que je trouve ça complètement ridicule. C'est inefficace. Hey, au Québec, il y a 125 députés. Il y en a deux sur la patinoire. Pas plus que deux en même temps. Il y en a 123 qui font rien.
toute une dépense inutile, ça. Ben oui. À Ottawa, ils sont 375, quelque chose en même, en tout cas, au-dessus de 300, en tout cas, 325. Il y en a deux qui embarquent sur la patinoire, il y en a 298 qui font rien, qui attendent, qui sont avec le iPad, puis le kit, ils pitonnent. Gaspillage de temps. Moi, ce que je ferais, là, c'est que je dirais, c'est les citoyens qui posent les citoyens ou les grandes organisations, les syndicats, les entreprises qui posent des questions, pas au gouvernement, à toutes les parties politiques. Dites-nous ce que vous pensez de telle affaire. Oui. Puis à ce moment-là, c'est que là, il y a juste la gang qui est concernée par ça. Mettons, le responsable de l'économie dans chacun des partis qui répond à ça. Les autres, ils travaillent sur d'autres choses de plus prioritaires. Oui, ce serait une bonne idée parce que là, on aurait de réels débats. Puis quand, je sais pas, moi, à la place de donner mon beau discours qui est fait de pseudo-vérité pour justement pour faire un peu tape à l'œil, si j'étais confronté à un vrai économiste qui me remet en question sur les données que je donne ou sur les propos que je fais, je serais plus doué sur mes affaires. Oui, tu aurais des réponses plus vraies, là. Puis les autres parties seront obligées de donner des réponses aussi. Là. Ouais. Ça fait que là, ça ne serait pas une attaque un contre l'autre, ça serait lesquels qui a la meilleure solution. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est intéressant tout ça. Toujours un peu dans cette idée-là, je sais que tu ne veux pas parler de Montréal, mais cette idée-là, moi, j'aime ça, c'est l'histoire des villes-refuges. Et là, Montréal a dit, nous, est-ce qu'on devrait devenir une ville-refuge? On sait que Seattle, San Francisco, Chicago, c'est des villes-refuges. Et puis, qui se sont tenus debout, d'ailleurs, devant l'administration Trump en disant, on va rester ville-refuge. Penses-tu que Montréal devrait devenir une ville-refuge? Bien, c'est possible, mais ce que je trouve d'intéressant en dessous de cette idée-là, c'est que les villes, un peu partout dans le monde, vont prendre de plus en plus de pouvoir. Ouais. Il y a des villes, aujourd'hui, comme en Suisse, que la citoyenneté, ça vient de la ville. C'est la ville qui s'occupe de ça, parce que le citoyen, il vit pas en Suisse, il vit dans une ville en Suisse. La même chose au Canada, au Québec, etc. Et là, en plus aussi, c'est que pourquoi les villes ont de plus en plus de pouvoir? Bien, c'est qu'il y a un échec des grands gouvernements d'État à donner des services efficaces, des services que les gens vont trouver fonctionnels, parce que c'est rendu des trop grosses administrations. Ouais. Alors que la ville, elle, c'est plus proche. C'est un gouvernement de proximité. Je pense que là où les gens ont le plus confiance, c'est dans le gouvernement municipal, parce qu'entre autres, ils peuvent voir leur conseiller municipal ou leur maire, puis le kit, ils peuvent l'apostropher et dire « toi, ça ne marche pas ». Le député... Moi, j'ai écrit des lettres à mes députés fédéraux, là, même pas reçu de réponse, même pas d'accusé de réception. Ça fait que là, tu dis, regarde, ils sont dans leur bulle là-bas au Parlement, puis ils chicanent entre eux autres, puis ça va bien, puis bon. Mais ça, ça marche pas. Au niveau municipal, quelqu'un peut pas faire ça, peut pas ignorer ses citoyens, il va se faire interpeller. Ça fait que je suis persuadé que les villes vont prendre de plus en plus de pouvoir et même vont pouvoir faire face, mettons comme à Trump, tu sais, quand des grandes villes, supposons comme New York, New York, s'il y a 15-20 millions d'habitants, là, c'est pas une binerie, là, c'est pas cinq coins-coins. Là, ouais. Qu'ils disent à Trump, non, pas d'accord avec ça, nous autres. Puis on voit aussi qu'il y a des villes qui ont pris des engagements pour réduire les gaz à effet de serre. Là, les gouvernements comme Trump, ils ne voudront pas s'occuper de ça, eux autres. Mais il y a des villes qui disent, toi, tu t'en occupes pas, mais nous autres, on va s'en occuper parce que nos citoyens, ils vivent dans la ville. On comme en Chine. Oui, exactement. Ça fait que là, ça, c'est intéressant, cette dynamique-là. Puis ça, c'est une nouvelle dynamique qui... commencé depuis quelque temps, mais qui va s'amplifier. Puis l'exemple des villes un peu sanctuaires comme Montréal veut faire, c'est exactement l'exemple de ce qui est en train de se passer sur la scène internationale. Intéressant, intéressant. Je t'amène d'ailleurs, avant de finir sur la scène internationale, je vais te parler, Amnesty International est sorti dans les médias, je ne sais pas si tu as vu ça. Puis leur constat, en fait, aujourd'hui en 2017, c'est de dire que il y a une banalisation des discours haineux à travers le monde et, entre autres, que les discours haineux ont été beaucoup repris par les politiciens qui s'en servent de manière électoraliste. Est-ce que c'est le constat un peu que tu as fait? Parce que là, ils parlent de Trump, mais ils parlent aussi, je ne me rappelle pas son nom, mais celui qui est aux Philippines. Il y en a partout, on a vu ça. Disons que d'abord, en dedans de nous autres, il y a un côté bon puis un côté moins bon. Moi, je pense que dans la majorité du monde, le côté bon est plus grand que le côté moins bon. Mais je ne connais personne de parfait. Puis on a toujours un petit côté moins bon. Il y a des affaires qu'on n'aime pas, il y a des affaires qui nous chatouillent, il y a des affaires qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, puis que là, finalement, tu sais... Puis aussi, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut être une vedette. Ouais. Ça fait partie de la vie, là. Tout le monde veut être une vedette. Puis là, il y a des outils comme Internet, le web, Twitter, puis ces bubbles-là, qui nous permettent, dans la maison chez nous, tu sais, d'envoyer des bêtises à quelqu'un pour se défouler, puis que ça ne coûte rien... Puis tu peux même te cacher derrière un pseudonyme, là, mettons, je ne sais pas, caisse de bière 24,
66, quelque chose de même. Là. Puis à ce moment-là, c'est que là, toi, tu es dans l'anonymat. Puis là, tu peux te défouler, etc. Puis en plus, le fait qu'il y ait des élus comme Trump qui se permettent de dire des grossièretés, bien là, ça, ça fait rien que dire au monde qui ont envie d'en dire. Hey, c'est correct, même le président en dit. Je suis d'accord avec le président, boy. Ouais, moi. Là, comme le président, moi. Ça fait que là, avant, les gens, ils avaient ces mêmes idées-là, mais ils les gardaient entre eux autres, parce que d'une part, c'était compliqué d'écrire des lettres à tous les députés. Là, c'était pas mal plus compliqué. Là, c'est facile. Puis en plus, c'est que là, avec, mettons, l'anonymat, puis en plus, l'encouragement de certaines élites, ben là, il y a un défoulement de ce qui existait avant, mais que là, qui est défoulé. Ce que j'espère, c'est que ça va arrêter, tu sais, puis qu'à un moment donné, on va passer aux choses sérieuses, là. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu sais, je regarde des fois, là, les bêtises que le monde se dise, là, sur le net, là, tu sais, puis tu vois un qui agueule l'autre, puis tu le quittes. Puis là, ça vient à la fin, là, tu te rappelles même plus c'est quoi le sujet, là. Parce que là, ça a quand même... Puis en plus, c'est que là, tu sais, il y en a beaucoup là-dessus, là, qui écrivent, puis ils pensent après, là, tu sais, c'est que là... Tu sais, ils sortent une nouvelle, puis ils ont devant un commentaire, ils ont pas réfléchi. Mais ils ont une réponse. Ben, puis là, ce qu'ils veulent, c'est d'être le king des kings. Mm. Ben, moi, je pense être le king des innocents. Peut-être que ça devrait être. On devrait y penser avant de devenir le king des innocents. En tout cas, on le veut après les attentats de Québec. Là, il y a eu des messages sur Facebook, sur Internet. Je ne pouvais pas croire, en fait, que des gens pouvaient écrire ça. Ah, ben là. Ben, écoute, non, c'est l'appel à la violence. Hein? Oui, mais moi, je me rappelle d'un petit fait vécu. Là, à un moment donné, il y avait une madame qui. Moi, je recevais plein de courriels. Là, habituellement, ce n'était pas des bêtises, mais là, c'était vraiment des bêtises. Mais ça ne s'adressait pas à moi. Ça s'adressait à tous les députés. Puis elle avait envoyé une copie à tous les députés. Puis là, d'habitude, là, les députés, ils flushent ça, puis tu les quittes. Là, bon. Mais moi, j'y avais répondu. Puis là, j'avais expliqué que le sujet sur lequel elle parlait, on travaillait là-dessus, mais qu'il n'y avait pas de solution facile. Puis que là, tu sais, oui, ça nous préoccupe, mais on n'a pas de baguette magique. Puis là, on m'a répondu que, excusez-moi, je ne filais pas ce matin-là, puis là, ben, j'avais envie de me défouler. Puis là, elle avait toute l'adresse des députés, parce que c'est tout public, puis le kit. Elle a pesé sur Enter, puis elle s'est défoulée, puis bonjour, merci. C'est facile, on bâtit-tu une société en faisant ça? Je pense pas. Merci beaucoup, Denis. C'est toujours un plaisir de te recevoir à mon émission et de discuter d'actualité et de t'écouter parce que t'as de l'expérience, hein, puis on voit que t'as Ah, commence à être vieux! Hey, merci à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!